route vers la ferme de la Blaquière. Et c'est un chemin qui est quand même assez pentu. Mais on n'est pas perdu, nos collègues sont passés avant nous. Allez, on retrouve la route au bout là. Encore 1 km, 100, 1 km. Croisement qu'on vient de faire là? Oui, le croisement, ouais, on fait après ça. Après, tu as la piste. Donc la piste, ouais. Elle est là. On ouais, prend la piste ça. Là maintenant. Oui, on prend la piste. Et à 450 mètres, on tourne à droite. Ouais. Ici, très caillouteux et tout en descente. Un regroupement inopiné parce qu'on s'est tous trompés. Il fallait qu'on traverse une ferme. On avait l'air d'avoir traversé, mais bon. Voilà, on suit ceux qui ont l'air de savoir. Nous avons recollé à nos amis de devant, la 4L rouge. Ici, tout cet alignement de 4L, je crois qu'il y a une voiture qui est en panne. Donc la solidarité joue et on s'arrête et on aide autant qu'on le peut. Alors il démonte quoi là? Le carbu. C'est un problème de carburateur alors? Non, d'embase. Dans le contre inopiné, les génisses ont peur de passer, donc priorité aux génisses. On enlève les voitures. Alors tu roules jusqu'au stop là, 400 mètres. Et tu prends la route à droite. Bon, très bien. Nous sommes ici en train de traverser la commune de la Malaine. Au final, une magnifique journée, une deuxième étape extraordinaire. Tout simplement avec moins de stress, bien sûr. Il faisait très beau, même très chaud sur les plateaux lorsque l'on y est passé. Et puis, lorsque l'on découvre ces magnifiques gorges du Tarn, vers la Malaine, vers Saint-Enimie, eh bien, effectivement, on est récompensé.